Mist avec un I, brouillard. Mist avec un Y, mystère. Mystère est un terme qui peut désigner un rite ou enseignement mystique, caché à ceux qui n'y sont pas initiés. Le mystère peut être le plan de salut conçu par Dieu de toute éternité et révélé par Jésus-Christ dans la religion chrétienne, ainsi qu'une énigme en littérature, comme dans le roman policier ou le thriller. Les cultes à mystère, cultes initiatiques ou cultes orientaux, sont des cultes apparus avant l'ère chrétienne dans le monde gréco-romain. Le terme mystère dérive du latin mysterium, lui-même dérivant du grec mysterion, généralement au pluriel, mysteria, qui, dans ce contexte, signifie rite secret, doctrine secrète. Un individu suivant un mystère est un mystès, un initié, du verbe myo, signifiant clore. Référence au secret de ces cultes, ou au fait que seuls les initiés sont autorisés à observer et participer au rituel. Les cultes à mystère se différencient des cultes officiels sur différents points. Ils sont enseignés dans des collèges ou écoles par des initiés. Il s'agit d'un système d'enseignement, d'apprentissage et de révélation en plusieurs étapes, connu sous le nom d'initiation. Pour se mettre à l'abri de tout dévoiement et profanation, ils sont accomplis à l'abri des regards et dans le secret. L'initié doit démontrer sa force morale, son courage, sa droiture et pratiquer les vertus. Il devient par la pratique de l'enseignement à la fois un philosophe et un savant. Le mystère, du latin médiéval mysterium, cérémonie, est aussi un genre théâtral apparu au XVe siècle. Il se composait d'une succession de tableaux animés et dialogués, écrits pour un public très large, mettant en œuvre des histoires et des légendes dont l'imagination et la croyance populaire s'étaient nourries. Le surnaturel et le réalisme s'y côtoyaient.